Kwa sababu muda wetu umesonga na tunafika muda mwafaka kwa kufuata kile ambacho kilituleta hapa. Me tuseme kitu kidogo mbele tumwalike mwalimu wa siku. Reverend pasteur et père spirituel, très distingué prix Nobel, chers frères et sœurs dans le Seigneur, mesdames, messieurs, amis de la jeunesse, bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour. Bonjour. Nous sommes réunis ici ce dimanche, sur invitation de la jeunesse de la 8e CEPAC Sayuni Kadutu, pour nous ressourcer auprès du prix Nobel de la paix, pasteur, professeur, père et grand-père, sur le rôle de la jeunesse chrétienne dans la gestion d'une nation en péril. L'engagement que nous devons faire, c'est de nous mettre à l'école de valeur du docteur Denis Mukwege, que nous jeunes devons incarner pour la refondation de notre République. Le thème nous concerne, car la nation nous appartient. C'est donc une question choix et de responsabilité pour relever les défis, car le narratif sur la République n'inspire pas la fierté de la patrie de Kimbangu, Kimpa Vita, Lumumba, Munziirwa, Rossi Mukendi, Sœur Thérèse Kapangala, Luc Nkulula, etc. Chers frères et sœurs, amis jeunes, notre orateur, le docteur Denis Mukwege, bien que pasteur de la 8e CEPAC, est une sommité mondiale. Vous êtes d'accord? Avec lui, l'espoir pour un Congo de dignité est donc permis. Tenez, le docteur Denis Mukwege Mukengere est un garçon de Bukavu. Il est le fils du feu pasteur Mukwege Chuma Matayo, comme le doyen l'a pu relever, un des pionniers de la CEPAC. Il a fait ses études primaires à l'Athénée d'Ibanda et ses études secondaires à l'Institut Bwindi, où il a obtenu son diplôme d'État en biochimie en 1974. Il est parti à Kinshasa, où il a fait 2 années à la faculté de polytechnique à l'UNIKIN, mais la voie de son destin ne l'a pas abandonné. En 1976, il s'est fait inscrire à la faculté de médecine du Burundi, d'où il obtint son diplôme de médecine en 1983. Très jeune, il a fait ses premiers pas en médecine à l'hôpital de l'Emera. Le besoin l'appelle vite à faire sa spécialisation en gynécologie à l'université d'Angers en France en 1984. Le docteur Denis Mukwege devient docteur en sciences médicales, PhD, à l'Université libre de Bruxelles le 24 septembre 2015. Connu pour son combat en faveur des femmes, victimes de violences sexuelles à l'est de la République démocratique du Congo, le docteur Denis Mukwege est le fondateur et le directeur médical de l'hôpital Panzi de Bukavu en République démocratique du Congo, qu'il a construit en 1999. Surnommé l'homme qui répare les femmes, il a reçu de nombreuses distinctions pour son engagement contre les viols utilisés comme armes de guerre et les corps des femmes utilisés comme champ de bataille en République démocratique du Congo. Parmi ces prix, le plus emblématique sont les prix des droits humains des Nations Unies en 2008,
le prix Sakharov en 2014 et le prix Nobel de la paix en 2018. Grâce à son combat, le docteur Denis Mukwege est devenu la voix amplifiée, des voix inaudibles, des oubliés de la société, le vulnérable et le sans-voix. Ce n'est donc pas étonnant que la constance de son combat lui vaille d'être parmi les hommes les plus distingués au monde. Vous pouvez applaudir, s'il vous plaît. Il s'est toujours levé quand la nation était en péril. On n'en parlait pas assez. Le docteur Mukwege a, grâce à sa conversion avec le président Clinton, fait que le président Obama demande à M. Kagame de libérer Goma en 2012. Prix Sakharov de l'Union européenne, grâce à ses plaidoyers, l'Union européenne venait d'annuler le 20 millions qu'elle voulait accorder au Rwanda. Encore, l'Union européenne et l'ONU ont voté des résolutions pour la justice transitionnelle pour, contre les minerais de sang. Il a construit à ce jour plus d'hôpitaux dans cette province en moins de 30 ans que l'État congolais. Panzi, Moulamba, Boulenga, et dans la République, on peut citer l'hôpital qu'il a construit au Sankoro, à Kisangani, à Kinshasa et d'autres sont en cours. On ne parle pas assez de plus de 70 000 femmes prises en charge par Panzi depuis 1999 et plus de 5 000 enfants scolarisés. Le docteur Denis Mukwege est un grand acteur pour changer le paradigme dans notre pays. Il faut un idéal pour impulser le modèle que notre peuple et notre jeunesse voudraient voir. Chers frères et sœurs, je voudrais vous demander de vous lever. Je voudrais vous demander de vous lever. Et sous vos ovations, accueillir le prix Nobel de la paix, le pasteur professeur Denis Mukwege, pour cet exposé que nous attendions, nous tous. Merci. Très distingué prix Nobel, dans l'humilité de votre jeunesse, nous voudrions vous demander de bien vouloir prendre parole. Merci. Tu pouvais demander ça. Shinda kila saa, Mungu atatupa nguvu ya kushinda. Tumtii Yesu nasi tutashinda. Frères et sœurs, avant toute chose, je vais demander à ce que toute l'Église se mette debout. Mbele ya jambo lolote ndugu na dada tusimame. On n'a pas besoin d'interpréter. Je vous demande de vous mettre debout puisque notre église est en deuil. Je voulais que nous puissions prier pour nos frères de l'église de Kasindi qui ont perdu, cette église a perdu 17 de ses membres. Aujourd'hui, selon l'information que nous avons,
plusieurs blessés qui sont dans un état grave. Je pense que nous ne devons pas prendre cette habitude de considérer des faits graves comme des faits divers. Cette église, elle fait partie de la CEPAC. Je voudrais que, en ce moment, notre frère, le pasteur Josué, puisse mettre les familles qui ont perdu les leurs, ainsi que les malades, entre les mains du Seigneur, avant que nous commencions notre conférence de ce jour. Prions le Seigneur. Éternel Dieu de gloire, Dieu de bonté, nous sommes réunis en ce jour, en ce moment, en ces lieux. Père, nous avons la conviction que tu es parmi nous, car nous sommes tes enfants et nous sommes réunis, c'est en ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, Père éternel, nous voulons demander ta grâce. Alléluia. Sur les familles éprouvées. Permets que ta consolation soit apportée dans les familles qui ont perdu les leurs lors de ces massacres ignobles, lors de cet éclatement de la bombe dans notre église de la CEPAC et Loubiria à Kassindi. Seigneur, accepte d'apporter la consolation. Nous prions pour les malades, pour les blessés qui sont encore dans les hôpitaux. Seigneur, accepte de les guérir. Laisse qu'un témoignage nouveau puisse, ô éternel Dieu, élever vers toi en faisant de grandes choses. Permets, éternel Dieu, toi qui es le maître de temps et de circonstances, toi qui sais plaider la cause des faibles, accepte, Père éternel, de plaider la cause de notre pays, la cause de notre pays, afin que la paix revienne. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Chers révérends, chers pasteurs, mesdames et messieurs, distingués invités, femmes et hommes de bonne volonté, femmes et hommes craignant Dieu, chers jeunes, mes filles et mes fils, mes bien-aimés dans le Christ, en ce début de l'année 2023, je voudrais commencer cette réunion, cette conférence, par une prière de bénédiction pour vous tous et vos familles, pour que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit en abondance. Je voudrais prier pour vous, pour que la paix de notre Père qui est aux cieux règne dans vos cœurs et que la joie du salut, ce salut que nous avons eu par notre Seigneur Jésus, soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez tous bénis, c'est dans cette journée de dimanche où nous allons partager sur la lumière du monde. En cela, une de nos missions est de donner de la saveur, donner du goût, du sens à notre humanité et d'éclairer le monde par les tristes de notre engagement sociétal. Mesdames et messieurs, notre pays est confronté depuis des décennies à une crise multiforme qui fragilise gravement notre société sur le plan social, économique, politique, culturel, sanitaire, éducationnel, environnemental. Il n'y a aucun domaine de la vie où en fait notre société n'est pas gravement touchée. Cette situation qui est connue de tous fait de la population congolaise l'une des plus misérables au monde. Pourtant, vivant dans un pays dont Dieu a doté d'immenses potentialités, que ce soit sur le plan des ressources humaines ou des ressources naturelles. Les cris amers de notre peuple ne peuvent nous laisser
nous les chrétiens, et surtout les jeunes chrétiens indifférents. Il nous interpelle tous, y compris cette jeunesse abandonnée qui a une place particulière dans la Bible et le plan de Dieu pour notre monde. C'est pour cette raison que notre réflexion sur le rôle de la jeunesse chrétienne dans la gestion d'une nation en péril portera sur les textes qui se trouvent dans 1 Timothée au chapitre 4 et le verset 12. Première Timothée 4 et verset 12. La Bible dit ceci. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois pour le croyant un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture publique des Écritures, à l'enseignement et à l'encouragement. Chers frères, chères sœurs, notre réflexion va porter sur ce verset qui est très important pour tout jeune qui pense qu'il a une mission, pour tout jeune qui pense que ce qui se passe autour de lui n'est pas tout simplement acceptable. Et la parole de Dieu nous dit que personne pour les fidèles soit un modèle pour la société. Et ce modèle dans la société, tu dois l'être en parole, en conduite, en amour ou charité, en foi et en pureté. L'apôtre Paul, quand il parle à Timothée, il insiste sur le fait que Timothée doit s'appliquer à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. Et surtout, il dit à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. La parole de Dieu donne des recommandations claires par rapport à la jeunesse. Ce sont des recommandations qui sont claires et nous allons essayer de passer ces recommandations en revue. Que personne ne néglige, que personne ne méprise ta jeunesse. Et je compare la jeunesse à une jeune plante qui n'a pas encore donné de fruits. Et du fait que cette plante n'a pas encore donné de fruits, peut-être parfois négligée, peut-être brûlée, peut-être coupée, car tout simplement, cette plante est menacée puisqu'on ne sait pas si oui ou non cette plante pourrait produire des fruits. Et le jeune ou la jeunesse, elle est exactement comme cette plante qu'on peut considérer comme une plante quelconque, comme une plante sans importance, puisqu'on ne connaît pas les fruits que cette plante peut donner. Donc la jeunesse a besoin de soins spéciaux tels que l'enseignement, la culture générale, la lecture, la bonne santé et tout ce qui peut permettre à cette jeunesse de pouvoir grandir dans des conditions qui permettent à ce que cette jeunesse puisse donner du bon fruit. C'est pour cela que la Bible insiste sur ces faits, de dire que votre jeunesse ne soit méprisée par personne, puisque c'est vous qui portez l'avenir, c'est vous qui portez l'avenir de ce pays sur vos épaules. Une jeunesse, lorsqu'elle est méprisée, lorsqu'elle est négligée, ça consiste à priver à un jeune une bonne éducation, priver à la jeunesse une bonne culture. Ça, c'est mépriser la jeunesse. Lorsqu'on ne donne pas la possibilité à la jeunesse d'être bien éduquée, d'avoir une culture qui permet de comprendre le fonctionnement du monde, la laisser prendre des drogues dures, de l'alcool,
la débauche. Tous ces éléments, lorsqu'on laisse la jeunesse évoluer dans ces éléments qui détruisent cette jeunesse, c'est mépriser cette jeunesse. Et tout ceci aboutit malheureusement à une jeunesse perdue, une jeunesse qui ne donnera pas de fruits, qui ne pourra pas être à l'écoute de l'Église, mais aussi à l'écoute de la nation. La société donc a toute une responsabilité de veiller et faire très attention par rapport à la jeunesse et pouvoir donner tous les ingrédients, donner tout ce qu'il faut pour que cette jeunesse puisse croître à l'abri de tous les facteurs destructeurs de la société. Et laissez-moi vous dire, l'Église, c'est le meilleur endroit où, en fait, cette jeunesse peut grandir à l'abri de ce que nous voyons aujourd'hui, à l'abri de la destruction, à l'abri de la débauche, à l'abri de l'intoxication. Nous avons besoin que la jeunesse chrétienne puisse comprendre qu'il n'y a pas un autre endroit. Lorsque vous allez à l'extérieur de l'Église, lorsque vous quittez l'Église, vous allez trouver tout simplement des lions qui sont prêts à vous dévorer et vous déchirer. La jeunesse doit être protégée. La jeunesse doit être entretenue. La jeunesse doit être soignée, éduquée, dans un contexte qui permet son épanouissement intégral, la permettant ainsi de jouer le rôle dans la gestion de la société. Frères et sœurs, la Bible recommande aux jeunes d'être un modèle pour les croyants, un modèle pour les fidèles, un modèle pour la société. Et nous allons passer en revue ensemble ce que la Bible nous demande comme des jeunes. Comment nous pouvons être des modèles pour notre société? Comment nous pouvons transformer notre société? Comment nous pouvons faire que, en sorte que notre société puisse en fait être une société qui rayonne? D'abord, l'apôtre Paul dit, il faut être un modèle dans la parole. Votre manière de s'exprimer doit refléter votre intérieur qui doit être saint. Lorsque vous parlez, il faudrait absolument que les personnes qui vous écoutent comme des jeunes de l'Église, comme des jeunes chrétiens, puissent sentir que les paroles que vous débitez sont des paroles saines, des paroles qui construisent, des paroles qui appellent plutôt à une repentance, des paroles qui aident les autres à croître spirituellement. Et ce sont des paroles qui appellent au respect des autres. Vous devez être dans cette capacité d'avoir des paroles pleines de sagesse et de douceur. Et rassurez-vous, le premier contact pour connaître quelqu'un, c'est lorsqu'il s'exprime. Un jeune chrétien, dans n'importe quel bureau, dans n'importe quel endroit où vous présentez, quand vous vous exprimez, les gens doivent directement se dire, cette personne, il était avec lui. Si on ne peut pas dire ça de vous, posez-vous la question. Pierre n'avait pas besoin de se présenter. Dès qu'il a commencé à parler, les gens qui étaient là ont dit, celui-là était aussi avec Jésus. Par la parole. Ce que vous débitez, ce que vous sortez, doit vous donner déjà une identité. Et ceci vous rapproche des gens qui veulent vous écouter, puisque vous êtes intéressant. Un jeune chrétien, si vous entrez chez des gens et que vous les saluez en les bénissant, ils seront vite très accueillants pour vous écouter. Et surtout, au lieu de vous mépriser, ils vous respectent et vous soutiennent puisque votre langage permet de créer une relation avec les personnes autour de vous. Des insultes, des insanités sont devenues malheureusement monnaie courante
dans la bouche des jeunes. Même parfois des jeunes chrétiens, ils veulent imiter les autres. Mais vous n'avez pas à imiter les autres. Soyez des imitateurs du Christ. C'est la seule imitation que vous pouvez avoir dans tout ce que vous dites et tout ce que vous faites. Un jeune chrétien doit débiter les paroles de louanges et de bénédictions constamment. Même quand vous vous fâchez, chantez, réfléchissez à une chanson de Kalupa et chantez cette chanson. Quand je m'énerve au bloc opératoire et que je me dis là, je risque de commencer à débiter des choses graves. Amen. Ce qui m'entoure quand il commence, quand il sent que je commence à chanter, Royangu Tulia, ils disent, docteur, il y a quelque chose qui ne va pas. Soyons dans un état de louange et de bénédiction en permanence. C'est ça qui va nous distinguer du monde. C'est ça, un jeune chrétien. Et du fait que vous débitez des paroles qui bénissent les autres vont avoir un intérêt par rapport à vous. Et au lieu de vous mépriser, ils vont vous accueillir. Le deuxième point que la Bible nous dit, nous devons être un modèle en conduite. Votre conduite doit être irréprochable. Dans vos actes, on doit savoir vous distinguer des jeunes non chrétiens, des jeunes qui n'ont pas encore rencontré personnellement Jésus. Et ici, je ne parle pas tout simplement de jeunes qui sont dans l'église, puisque parfois nous avons des jeunes à l'église, mais qui n'ont jamais fait cette rencontre personnelle avec Jésus. Et je vous invite de faire cette expérience. Lorsque vous avez l'expérience avec Jésus, vous vous distinguez des jeunes non chrétiens. Même si tout le monde, vous entrez dans un milieu et que vous trouvez que tout le monde applique la fraude, vous, jeunes chrétiens, restez intègres. Même si tout le monde s'est compromis dans l'adultère, fornication, vous, jeunes chrétiens, restez intègres. Même si tout le monde est réprochable, ne dites jamais « Sinjovile binakwaka ». Toi, tu n'es pas comme les autres. Tu as été sauvé, lavé par le sang de Jésus. Et lavé par le sang de Jésus, tu ne peux pas être comme les autres. Peu importe. Parfois, on peut dire de vous « Ukoyuma ». Alléluia, tu dis tout simplement, je suis le Yuma de Jésus. Amen. Je suis le Yuma de Jésus. Et ça, ça montre très bien que vous portez la marque du Christ en vous. Et lorsque vous avez la marque du Christ en vous, vous pouvez dire à n'importe qui, ne me dérangez pas, j'ai cette marque à moi. Et cette marque m'interdit de faire comme tout le monde, je vais faire comme Jésus. C'est la seule voie pour pouvoir agir. Chers amis, à l'image des jeunes Daniel, on ne va pas parler de Daniel aujourd'hui, mais lorsque vous lisez les livres de Daniel, vous verrez que ce jeune était en déportation à Babylone. Et en fait, il va se retrouver au palais royal. Ce jeune Daniel, qui était avec ses compagnons en captivité, le roi avait proposé de leur donner des mets, de la nourriture qui était consacrée aux dieux. Et Daniel a dit, je ne peux pas manger les mets qui ont été consacrés à d'autres dieux. Il a refusé. Nous aujourd'hui, lorsqu'on est assis au palais royal, on serait prêt à tout faire pour plaire. Mais Daniel a dit, pas question. Je ne peux pas manger avec mes compagnons, Meshach, Shadrach et Abednego. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça le modèle que nous devons avoir, être à mesure de dire non à Nebuchadnezzar, à dire non au fort de ce monde, puisque nous avons la voie que nous suivons. Et Daniel, à cause de sa conduite irréprochable, il avait eu la faveur aux yeux de Dieu, qu'il utilisa puissamment
pour donner la révélation des sondes, des songes du roi. Et lorsqu'il avait donné cette révélation des songes du roi, eh bien, le roi fut émerveillé par Daniel et décidant d'élever Daniel au commandement de Babylone. Vous comprenez très bien que ces jeunes Daniel, qui savaient qu'il servait, qui était d'une conduite irréprochable, il n'a pas cherché le pouvoir. Mais c'est le pouvoir qu'il a cherché, puisqu'il avait une conduite différente de tous les autres jeunes du royaume de Babylone à l'époque. Amen. Étudions et essayons de comprendre ces personnages. Nous verrons que, quelles que soient les menaces, Daniel et ses compagnons, ils étaient d'une conduite irréprochable. Et à cause de ça, leur comportement a fait qu'ils soient élevés, même s'ils étaient dans un pays de déportation où ils étaient esclaves. Et donc, Dieu ne tient pas compte de tes origines. Tu peux venir d'un milieu très reculé, des parents qui n'ont rien. Mais si tu restes fidèle à Dieu et que tu as une conduite irréprochable, Dieu peut t'élever très très haut et tous les autres, il les laisse en bas. Dieu ne tient pas compte de ce que tu es, d'où tu viens, il tient compte de ce que tu es par rapport à lui et ce que tu fais. Dieu ne tient pas compte des accusations. Shadrach, Abednego et Meshach, ils étaient accusés. Mais cela n'a pas empêché que Dieu puisse les élever et les mettre à l'intendance du royaume, puisqu'ils étaient intègres et ils ont fait confiance à Dieu au lieu de faire confiance aux hommes. La troisième chose, c'est la charité ou l'amour. Aujourd'hui, on peut constater que la charité nous manque terriblement, alors que les jeunes chrétiens de la première église vivaient dans le partage total de leurs biens en fonction de leurs besoins et le besoin de chacun. Acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tous en commun, ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité du cœur. Aujourd'hui, au sein de l'Église, c'est l'égoïsme qui prime. C'est la compétition qui domine. Dans l'Église, et ne parlons même plus de notre société, où finalement, les gens existent seulement pour eux-mêmes. C'est comme s'il y avait la vie qui est pour une catégorie de personnes. Le manque de charité entre nous fait que le bien commun est consommé par une petite minorité. Aujourd'hui, nous avons produit des millionnaires en quelques années, alors que la grande partie de la population vit dans une misère indescriptible. Et spécialement, les jeunes qui souffrent terriblement dans ces pays, alors qu'il y a une petite classe. Et ça, c'est le manque de charité. C'est l'absence de voir l'autre comme toi-même. Lorsque les pharisiens demandent à Jésus quelle est la plus grande loi, Jésus dit, il y a une, c'est d'abord aimer Dieu de tout ton cœur. Et ce qui suit, c'est aimer le prochain comme soi-même. Aujourd'hui, nous avons perdu tout le sens de l'autre. L'autre n'existe pas. S'il faut que je l'écrase pour mes intérêts, je l'ai fait. Demain, je vais aller prier. Mais il faut d'abord que j'aie mes propres intérêts. Le Seigneur dit, nous devons être le modèle en charité. La charité, c'est cette capacité d'indignation face au malheur qui frappe l'autre. Tu ne peux pas voir l'autre dans une situation de malheur, dans une situation où son droit est enlevé, dans une situation d'oppression, et que tu gardes silence. Quand tu n'es pas capable de t'indigner, tu n'es pas capable de voir, avoir cette capacité de prendre soin de l'autre à l'instar du bon samaritain, c'est que tu as un problème comme un jeune. L'apôtre Paul dit,
Nous devons être modèles. La jeunesse doit être un modèle en charité. Et vous pouvez vous poser plusieurs questions, comme des fidèles, comme des jeunes de l'Église. Qu'est-ce que je fais différemment? Qu'est-ce que je pose comme acte pour les autres? Vous allez me répondre, je n'ai rien. Mais combien de fois vous avez été chez une veuve pour nettoyer sa maison? Combien de fois vous vous êtes dit, c'est vieux, je vais l'accompagner? Ne fût-ce que faire ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez. Le bon samaritain, il n'a pas fait comme des lévites. Il s'est pressé pour prendre ses blessés et l'amener à l'auberge pour qu'il ait des soins. Nous devons être modèles en foi. Et la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Un jeune chrétien doit être ferme dans la foi. Tu es un enfant de promesse. Ta jeunesse, Dieu en tient compte. Et si tu as la certitude que tu as une assurance des choses que tu espères et que tu espères ces choses, dans le nom de Jésus, tu ne peux pas te décourager. Un jeune chrétien doit vivre dans la ferme conviction que les promesses de Dieu pour lui ne pourront jamais changer, quelles que soient les situations. Et je peux m'imaginer aujourd'hui, avec ce que nous vivons, tu as eu ton diplôme il y a 10 ans, tu as cherché du travail partout et tu t'es dit, c'est perdu pour moi. Tu commences à réfléchir, à te poser des questions s'il ne fallait pas que tu te comportes comme les autres. Nous voyons aujourd'hui dans nos universités de jeunes filles qui se prostituent pour pouvoir réussir même des examens. Chère jeunesse, si vous êtes dans la promesse de Dieu, vous devez tout simplement croire, vous devez avoir la foi que ce que Dieu a promis, quelle que soit la situation, Dieu le fera. Il le fera. Chers amis, sachons que pour les enfants de Dieu, restez fidèles, puisque Dieu ne vient jamais avant ni après. Il arrive toujours à l'heure. Et c'est ça ta promesse. Enfin, l'apôtre Paul demande au jeune Timothée d'être un modèle en pureté. Et l'exemple de pureté pour notre jeunesse aujourd'hui que je voulais partager avec vous, on ne va pas entrer en détail, on n'a pas le temps, mais le modèle de pureté que j'ai trouvé dans la Bible en préparant ces messages, c'est le jeune Joseph qui va se trouver esclave, vendu par ses frères en Égypte. Alors que la femme de son maître veut coucher avec lui, Joseph, il ne craint pas seulement son maître, à qui il doit tous les respects, mais Joseph, il craint Dieu. Amen. Joseph, il craint Dieu. Genèse 39, verset 9. Il est écrit, en parlant de son maître, il dit, « Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. » Et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. C'est la réponse de Joseph à la femme de son maître. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans cette réponse, comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alléluia. Que Dieu vous bénisse, jeunes, pour que vous compreniez que même là où vous êtes seul, Dieu est là. Même si vous avez l'impression que je peux faire, mais posez-vous cette question, ferai-je si mal aux hommes, mais aussi à Dieu? Et je crois que lorsqu'on a sa présence dans son esprit, en posant des actes, on garde sa pureté, puisque à chaque acte que vous vous posez la question, pécherai-je contre Dieu? Alléluia. Le fait de refuser des péchés contre Dieu. Joseph, après avoir résisté à cette femme adultère, elle a tout fait
pour les mettre en prison. On ne va pas entrer dans le détail. Mais nous connaissons la finalité. C'est que la pureté de Joseph, Joseph a eu la faveur de Dieu et il a été élevé au rang de premier ministre de Pharaon. Amen. Il est très important de pouvoir saisir que Dieu élève les humbles, Dieu élève des personnes qui restent pures, des personnes qui ont une conduite irréprochable, des personnes qui marchent selon la volonté de Dieu et qui ont la marque de Dieu en eux. L'apôtre Paul exhorte Timothée à s'appliquer à la lecture, c'est-à-dire s'appliquer à la recherche de la connaissance, à se cultiver, à acquérir une culture générale pour éviter de vivre dans l'ignorance. Et je trouve que cet épître de Paul à Timothée, surtout quand il parle de la jeunesse, c'est vraiment de la jeunesse congolaise que Paul est en train de parler. Il dit, tu dois lire, mon cher Timothée, tu dois avoir la connaissance, tu dois te cultiver. Il y a des gens qui disent que si tu veux priver un Congolais quelque chose, mets-le dans un livre et donne, même si tu lui donnes un chèque de 1 million, si tu le mets dans un livre et tu lui remets, il n'ouvrira jamais les livres. Et il va perdre 1 million de dollars tout simplement, puisqu'il ne veut pas lire. Et ici, l'apôtre Paul dit à Timothée de continuer à lire constamment. Il veut que son enfant spirituel ait des connaissances qui puissent se cultiver. Que ce soit quelqu'un qui ne vit pas dans l'ignorance. C'est une recommandation aux jeunes d'être tout simplement des érudits, d'être des jeunes très bien informés. Aujourd'hui, les jeunes qui construisent à Bukavu viennent du Burundi ou du Rwanda. Et tous nos jeunes sont au chômage, n'est-ce pas? Quand vous demandez aux gens de faire quelque chose, les gens ils ont l'impression que ça, ce n'est pas. L'apôtre Paul dit... Tu as des dons. Ni bote ou mou kona karama. Il est karama ou kona fanishani. Vous devez utiliser les dons qui est en vous pour servir l'Église et servir la nation. Dans sa deuxième lettre à Timothée, l'apôtre Paul recommande les jeunes de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la paix, la charité et la foi. Et le mot justice, je l'ai essayé de chercher, j'ai trouvé qu'il est repris 390 fois dans la Bible, dans la version Louis II. C'est-à-dire que Dieu est juste et veut que nous agissions avec justice. Il nous demande également que nous cherchions la paix avec tout le monde, tant que cela dépend de nous. Chers amis, lorsque nous sommes un modèle, lorsque la jeunesse de l'église de Sayuni, lorsque la jeunesse de la 8e CEPAC veut devenir un modèle dans notre société, un modèle dans la parole, dans la conduite, dans la charité, dans la foi, dans la pureté, que nous cherchions la connaissance, que nous utilisions des dons que Dieu nous a donnés, que nous pratiquions la justice, et que nous donnions la paix aux autres, c'est seulement dans ces conditions que la promesse de Dieu se réalisera pour toi, telle que l'Écriture l'est dit dans Ézéchiel 16, 60. Mais je me souviendrai de mon alliance avec toi au temps de ta jeunesse, et j'établirai avec toi une alliance qui sera une alliance éternelle. Gloire à Dieu. Cette alliance éternelle avec Dieu nous permet de jouer un rôle important dans notre nation, à l'image de Daniel et ses compagnons, à l'image de Joseph en Égypte ou de Timothée dans la dispensation de la parole de Dieu. Si l'on doit avoir une alliance éternelle avec Dieu, il faut absolument qu'on puisse s'appliquer à fuir les passions de la jeunesse. Lorsqu'on se laisse aller dans les passions de la jeunesse, malheureusement, on ne fait pas l'alliance avec Dieu, on perd cette opportunité d'avoir une alliance éternelle. Et je ne sais pas l'alliance éternelle, comment on peut traduire ça en swahili. Kuana
agano la milele, ku anagano la milele avec Dieu. Je ne sais pas si vous réalisez comment Dieu vous considère, vous la jeunesse, et il fait cette alliance éternelle ou l'agano ya milele avec vous. C'est pendant votre jeunesse, comment vous vous comportez pendant votre jeunesse, que ça va traduire ce que vous allez devenir à l'âge adulte. Donc, vous êtes dans une période où vous devez travailler avec vos dons, vous devez travailler avec votre connaissance, vous devez prendre tout ce que vous avez pour dire « Je veux créer une alliance éternelle avec Dieu. » Que Dieu soit loué. Chers amis, la question que nous pouvons nous poser aujourd'hui, après avoir vu la recommandation de Paul à Timothée, un jeune que Paul veut, quand il écrit ses lettres, il était assez... Et c'est comme s'il était en train de faire en quelque sorte son testament. Il veut laisser un jeune, que ce soit un jeune qui va tout simplement porter le message que Paul portait. Mais ces recommandations de Paul aux jeunes sont-elles contraires à la loi? Et ça, c'est la question que je vous pose, mais à laquelle je vais aussi répondre. Tout ce que Paul dit à Timothée comme jeune, toutes ces recommandations ne sont pas en contradiction avec la loi et en contradiction avec la loi de la République démocratique du Congo. Pour qu'un jeune ait une raison de ne pas servir sa nation et jouer un rôle important lorsque la nation est en péril. Donc il n'y a aucun jeune ici qui dira qu'au nom de sa foi, il ne peut pas servir la nation, qu'au nom de sa foi, il ne peut pas changer la République démocratique du Congo, qu'au nom de sa foi, il ne peut pas s'engager pour que la misère du Congo change. Tu n'as aucune raison de pouvoir le dire, puisque ce n'est pas contraire à la parole de Dieu. La loi est claire et nous allons voir, il n'y a aucune raison. Le plus grand handicap que nous avons plutôt, c'est l'ignorance de la loi. Le grand handicap que la jeunesse congolaise a, c'est la loi. Le jeune Congolais ne sait pas ses droits et ses devoirs. Kijana wa Congo, iko mwali yenye, hajue haki yake ni nini. Na ndio shida yenye Paulo anapiganisha wakati anambia Timoteo, ni lazima ujue, uwe na connaissance. Sababu ukiishi katika ignorance, ukiishi katika kutokufahamu, hata haki yako bataikula na uko naangalia. Hauwezi jua kujitetea. Le grand handicap que nous avons aujourd'hui, c'est l'ignorance de notre jeunesse par rapport à la loi qui précise les droits et les devoirs de la jeunesse. Si nous lisons dans Osée 4 et 6, le prophète dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Et je pense que c'est là le plus grand problème. Si notre jeunesse aujourd'hui n'arrive pas à saisir ces opportunités, c'est tout simplement par manque de connaissances. Et Paul se bat contre ce manque de connaissances quand il est en train de léguer à son fils spirituel. Enfin, aujourd'hui, nous devons aider notre jeunesse à connaître sa constitution, connaître ses lois. Dans son article 42 de la Constitution de notre pays, il est dit « Le pouvoir public a l'obligation bikona shurti haiko aseme bana penda hababa pechoa. » Ce n'est pas « je peux choisir ». C'est une obligation de protéger la jeunesse contre toute atteinte à sa santé, à son éducation et à son développement intégral. Est-ce que vous avez tout ça? Et pourquoi vous vous taisez? Est-ce que vous savez que c'est un droit? C'est une obligation.
légal. Nous avons le maître Tshibanji là. Je crois que la première chose que Tshibanji devrait faire, c'est porter plainte contre ce qui empêche à la jeunesse de jouir de la santé, de l'éducation et un développement intégral. Selon la Constitution. Et cet article nous ramène à l'épître de Paul à Timothée, où Paul recommande Timothée à se cultiver, à lire. Donc, il recommande d'avoir une éducation parfaite, permettant son développement intégral. Et c'est grâce à ce développement intégral qu'il peut aider sa nation. Kama haujue hawezi kusaidia, kipofu asaidie yake kipofu. Unapashwa kujua njo jue kusaidia bengine. L'éducation est la clé pour tout jeune qui veut servir sa nation. Et sans éducation, notre simple volonté ne suffit pas pour faire la différence. À l'article 43 de notre Constitution, l'article 43 de notre Constitution renforce même l'article 42, toute personne a droit à l'éducation scolaire. Il y est pourvu par l'enseignement national. Donc, loi est nasema, kila mtu n'a pas choix soma, na ile masomo, il n'a pas choix kupewa na serikali. En plus, ils disent l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit dans les établissements publics. Ça, mino na kabatoto banarudia kunyumba, unabakuta asubuhi, biko banalia mubarabara. Balinifukuza jumie siwezi lipa, bazazi yangu hawezi lipa. Ni kitu ya uchungu sana. Mtoto kujua kama baba yake hawezi. Baba yake alishindwa. Baba yake yuko incapable. Alors que la loi dit que cette éducation doit être gratuite. Et toi le parent, quand les enfants reviennent à la maison, puisque tu n'as pas pu payer, eh bien, tu t'enfermes dans ta souffrance, tu digères ta souffrance, au lieu tout simplement de dire, j'ai un droit, je ne dois pas être humilié comme je suis humilié. Aujourd'hui, nous sommes dans la situation où tous ces pays, cette loi ne s'applique pas sur l'étendue du territoire national. Et vous savez quelle est la conséquence? Nous avons un taux d'analphabétisme de 27,1%. Donc c'est ma Mukongo tout qu'on a Karibu ou qui kamata bat on a divisé par 3, un tiers à Bakongomani, à Badjou et Soma, à Badjou et Andika, ou qui m'ambia et ça va tout l'empathie à billet à $100 à Nezenda Ouzamo Kalang. Djou à Djou et Soma, Djou et Andika. Chers amis, j'enseigne, je suis enseignant. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, là c'est 27% d'analphabètes, donc ne savent ni lire ni écrire. Mais au Congo, nous sommes en train de développer une autre forme d'analphabétisme. Ce sont des gens qui font tous leurs cursus en payant les enseignants. Et au bout des comptes, ce sont des gens qui ne peuvent pas formuler une seule phrase en français correct. Ça, on a dit, Lisa, où y'a na somakai. Ça, y'a quoi, on a dit, funza, ka, histoire aye. Alors que la Constitution dit que vous devez avoir une éducation correcte avec une culture qui vous permet de pouvoir vous défendre dans la société. Mais quand on est en train de créer une classe de personnes qui ont des diplômes, mais qui ne peut pas lire une phrase correcte, ça veut dire tout simplement que nous nous mettons dans une situation très difficile. Et je me pose la question, comment pouvons-nous être utiles
quand nous sommes incapables même de nous exprimer, quand nous sommes incapables d'exprimer ce que nous pensons, ça nous met tout simplement dans un état de frustration. Nous avons peur de parler devant les autres. Nous disons que nous sommes des diplômés, diplômés de médecine, diplômés de droit, diplômés d'économie. Mais quand on te pose la question, tu fouilles puisque tu n'es pas capable de pouvoir défendre ce que tu sais. Malheureusement, cet article où nous devons avoir, la jeunesse doit avoir une éducation correcte, cet article n'est respecté nulle part et la jeunesse n'exige pas son droit. Et peut-être que la jeunesse n'exige pas son droit, soit par ignorance, soit par négligence. Et dans tous les cas, il n'y a pas d'avenir sans éducation. On ne peut pas reconstruire une nation en péril lorsque l'on n'accède pas à une éducation et une éducation de bonne qualité. Si nous prenons l'article 46, cet article 46 dit « La jeunesse a droit à la culture, donc a droit à la connaissance. » Là, nous revenons à Paul. Le droit à la culture, liberté de création intellectuelle et artistique, et celle de la recherche scientifique et technologique, tout ça sont garantis sous réserve du respect de la loi et de l'ordre public et des bonnes mœurs. Je vais m'arrêter là. Si vous avez le droit à la culture, aujourd'hui, j'ai vu de jeunes gens, de jeunes Congolais, qui utilisent des objets qu'ils ramassent à la poubelle et ils créent avec leur savoir-faire. Tu vas voir, ils ont créé un avion qui vole et tu demandes comment tu as fait. Ils n'ont jamais été dans une école d'ingénieurs ou nulle part. Dans d'autres pays, quand vous avez des jeunes intelligents comme ça, on les encadre pour que cette intelligence puisse servir la nation. C'est ce qu'on dit ici, la recherche technologique. Il y a ce que nous appelons les start-up. Ce sont des endroits où on peut placer des jeunes gens. Et ces jeunes réfléchissent sur l'informatique et créent des choses. Tous les pays qui avancent font ça. C'est garanti par notre constitution, mais personne ne le fait. Même si tu as une intelligence naturelle, si tes parents ne peuvent pas payer tes études, il n'y a personne qui te regarde. Nous sommes dans un pays où il faut changer les choses. Ailleurs, lorsqu'un enfant est intelligent, c'est la communauté qui le prend en charge pour l'aider à se développer. Je crois qu'il y a beaucoup de jeunes ici qui vont à Nairobi, au Kenya, où ils ont un système de harambe dans le village. Si un enfant termine ses études avec 90%, même si ses parents sont pauvres, les règles font qu'ils se cotisent pour permettre à ce que cet enfant puisse finalement aller à l'école. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons? L'enfant du voisin, s'il est intelligent, ça devient un problème. Chers amis, on ne peut pas construire une nation en péril si on ne tient compte que de ses propres besoins. Mtoto wa voisin anaweza kukusaidia wakati yenye haujui. Ule ye batoto yake banapataka bote ma diplôme. Mais il faut glorifier le Seigneur pour ça. Mais nous sommes dans une situation où on n'aide pas ceux-là qui peuvent porter cette nation en péril. On les met plutôt en compétition. Le droit, l'article 47 dit ceci, le droit à la santé et à la sécurité alimentaire est garanti. Constitution yetu wana tishibanji, inasema kama, ah là 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 là. Le droit à la santé et à la sécurité alimentaire, c'est garanti. Ndokusema, hakuna mkongomani mwenye alipashwa kulala njala juu anakosa vyenye atakula.
Et je pense que si la Constitution l'est dit, ce n'est pas un rêve. Moi, j'ai travaillé à Ubuntu en 1997. À Ubuntu. Je peux vous dire que c'était la première fois que j'ai vu qu'on peut faire pousser les riz sans cultiver. Donc, moi, il n'y a pas de tout pas. Il n'y a pas besoin de kulima. Ou qui kata tout miti, ou na choma mayani, ou na isukuma pembeni, ou na mwanga mupunga, trois mois après, ou na vuna. Benye ba na toke akule ba baletere ushuda. Tulilimisha batu mchele. Sa ya kuvuna, tulikuwa tunasema, batafanya deux saisons. La deuxième saison, je me présente, les gens me disent, docteur, ukuye kwanza ukule hii yenye tuko nayo, njo tutalima ingine. Piske hii yenye tuko nayo, hatuna wakutuzia, hatuna barabara ya kuibeba, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va en faire. Projet ikaishia pale. Chers amis, la sécurité alimentaire au Congo, ce n'est pas un rêve. Nous avons 9 mois de pluie. 9 mois. Je viens de l'Arabie Saoudite. Ministre wabu alikuwa ananionyesha, anasema njoo ya mara kwanza na sisi tunaona, unaona huko mayani unaotaka kama mvule linyesha huko kwetu. Bunaonyesha sawa vile iko anaonyesha ile photo na furaha sana. Sema Mario na sisi hapa kuko vert. Nous avons le vert partout. Lakini wende panzi. Kusale ya batoto. Inayala batoto bibiko na bwaki. Le droit à la santé, à la sécurité alimentaire est garanti. Le droit à la santé, notre jeunesse aujourd'hui n'est pas soutenue. Un jeune qui tombe malade, il n'y a aucun soutien. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes qui se perdent dans l'alcool. Nous voyons des jeunes qui se perdent dans des drogues dures ou la consommation de produits toxiques. Quand je vois des jeunes en train de se droguer avec du carburant, des jeunes qui sont en train de se droguer, il y a des boissons qui sont fabriquées dans certains pays, mais on ne les consomme pas là, on vient les déverser au Congo. Comment on appelle encore ça? Sapilo. Chers amis, c'est de l'irresponsabilité. On ne peut pas tuer sa jeunesse seule, juste pour avoir de l'argent. Vous avez vu des jeunes qui prennent les sapilos. Ils sont complètement détruits. Alors que notre constitution dit qu'ils ont droit à la santé. Qu'est-ce que nous faisons lorsque nous laissons les jeunes consommer des produits qui vont les tuer. Quand vous prenez 200 litres d'alcool, vous êtes certain d'avoir la cirrhose du foie qui va donner le cancer du foie. Vous êtes sûr de ça? Et tout le monde le sait. Et on laisse les jeunes consommer les sapilos ou des drogues qui les détruisent sans qu'ils soient protégés. Vous avez vu dans d'autres pays, on se bat pour que la cocaïne n'entre pas, pour que les drogues ou les chanvres n'entrent pas. C'est pour protéger leur population. Nous ici, vous pouvez aller dans des parcelles, vous allez trouver, ça pousse les chanvres et les gens, ils consomment, ils deviennent comme des fous. Chers amis, nous avons une loi, il faut pouvoir appliquer cette loi. L'article 48 de notre Constitution, il est clairement dit que tout citoyen a droit à un logement décent. D'ailleurs, si je vais lire toute la loi, le droit, tout citoyen a droit à un logement décent. Donc c'est ma logement. Kila mutiko n'a droit quoi na logement yamuzuri. À l'accès
potable et à l'énergie électrique sont garantis. Ça, c'est la Constitution. Kule kwetu mushumunu, batoto sa mwa banala mukaka 4 heures du matin kwenda kuruzizi. Na benye tulisha perdre ni bamingi. Kwenda kutafuta mai. Alors que mitoni inanzia Nyangezi mpaka Kavumu yenye nashusha mai kutoka milima. Ni kusema ni maji ambayo unaweza kutumia ni kuikapte tu na kuitia mutank na unaitumia. Hailombe pump, hailombe utoshe chumvi ndani. Mes chers amis, où sommes-nous? Quand on parle de logement décent, les dernières maisons construites par l'État pour sa population, ce qu'on appelle des logements sociaux, ni ma faute d'avance, ni ma faute du roi. Bajene ni bote bemuko umu hakuna mwenyali onasi kubali yengaka. Na apre pale hamu ya onaka kitu. Onel, njo ya mwisho, 1959. Un logement, quand la constitution prévoit un logement décent, ça veut dire qu'il faut avoir un programme de construction des maisons qu'on appelle des maisons social. Du we jeune hauna franka. Atona pata kazi ya bien, haiko siku lipata kazi ndio tafanya économie. Tu ne feras pas l'économie le jour où tu as commencé à travailler. Donc l'État a l'obligation, et c'est constitutionnel, de prévoir des logements qui permettent à ce que les jeunes, quand ils commencent la vie, il a une maison de 2 chambres. 3 chambres, qui permet à ce qu'il commence une vie dans des conditions décentes. Mais depuis 1959, les dernières maisons construites par l'ONL, on n'a jamais ajouté d'autres maisons sociales. Alors, posez-moi la question, que font les jeunes dans ces pays pour vivre? C'est très dur. Je vais juste vous dire ce que j'ai observé. Un jour, j'ai parlé avec un de mes... il était gardien chez moi et le soir, je prenais le thé avec lui et on discutait. Et il m'a dit, ça fait 6 mois, Nami Eminakua Mutu. Kajuliza Mutu. Uko na batoto sita. Lakini tunakuwaka mnyumba, tuko batoto kenda, bagarso 7, na kila moya na bibi yake. Ulizalaka vale batoto sitaye, ase papa inakuwa gymnastiki. Juu kila mtu anangaliaka, unajifunza, saa enye unaona kama benzenu bote banalala, biko bana ronfle, njo nenda zala. Chers amis, n'applaudissez pas. C'est très grave. Aujourd'hui, dans notre pays, malgré cette loi, cet article de la Constitution, le jeune qui se marie, il se marie dans la maison paternelle. Et chacun peut faire 4, 5, 6 enfants dans la maison paternelle. Comment tu vas faire l'éducation? Et moi, je crois que quand ce jeune m'a dit ça, j'avais des larmes. Puisque je me suis imaginé comment tu peux être marié et ne pas jouir de ton mariage, tout simplement puisque tu ne peux pas avoir ton intimité. Mais les gens s'habituent à ça, et les gens commencent à considérer que c'est normal. Chers amis, je vous répète, la loi
est clair par rapport à ça. C'est l'article 48, allez le lire, il est clair. Tout citoyen a droit à un logement décent, le droit d'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique, ils sont garantis. Ukisha tawasi mugiza bila mai unaweza ishi. Lakini kama uko na bibi na batoto, kisha batoto yako banakomala, uko unaangalia batoto yako unasikia haya. Kisha unasema niko mwinchi. Na mimi naongozwa, mimi natawaliwa. Fondement ya famille inakuwa très difficile. Puisque la jeunesse est méprisée. La jeunesse, on ne tient pas compte de cette jeunesse. À l'article 36 de notre Constitution, le travail est un droit et un devoir sacré pour chaque Congolais. C'est un droit et devoir sacré pour chaque Congolais. Et l'État garantit le droit au travail. La protection, musikilize article mzuri banduku. L'État garantit le droit au travail, la protection contre le chômage et donne une rémunération équitable et suffisante, assumant aux travailleurs ainsi qu'à sa famille une existence conforme à la dignité humaine. Chers amis, votre silence m'inquiète. La jeunesse congolaise, c'est inquiétant que nous ayons une constitution qui dit que l'État doit garantir le travail et la protection contre le chômage. Si Askiaka Mounyego a fait la campagne avec Anasema, aille tout à lutter contre le chômage. Ce n'est même pas une priorité. Une rémunération équitable. Si certaines personnes peuvent gagner jusqu'à des millions en termes de salaire, et de l'autre côté, vous avez des agents de l'État qui ont moins de 100 dollars, et la Constitution dit que ça doit être équitable. Nous envoyons nos représentants, ils ne se gênent pas d'avoir 21 000 dollars quand le soldat qui est au front gagne 70 dollars. Je crois que si on n'a pas la culture qu'il faut, si on n'a pas les connaissances qu'il faut, comme le dit Paul, on est dans une souffrance. Le travail chez nous est devenu une exception. Et le chômage est devenu plutôt la règle. C'est exceptionnel d'avoir le travail. C'est le chômage qui est la règle. Comment on peut construire la nation si tout son potentiel, puisque la jeunesse c'est le potentiel d'un pays, ils sont tous au chômage et ne constituent même pas une priorité des gouvernants. Et pourtant, c'est une obligation régie par la Constitution. Si je posais la question, combien de jeunes vivent sans tous ces droits que je viens de décrire, peut-être plus de la moitié de la salle va se mettre debout. Un jeune chrétien doit connaître les lois du pays et pouvoir exercer ses droits. Il faut amener notre jeunesse à promouvoir les activités sur les droits de l'homme ou encore la connaissance de notre constitution. Cette négligence, pourtant contraire à la loi, a un impact considérable, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau social. L'article 62 de notre Constitution dit « Nul n'est censé ignorer la loi ». Donc, « Ou aouyasoma kai constitution, aolisha isoma, unajua. » Donc, c'est « Ma kam onakufa, ou konakufa, mubujinga. » Jovi le loi nasem. « Nul n'est censé ignorer la loi ». Comme on a dit à loi, tout qu'on va mettre à. Il faut réclamer votre droit.
Aujourd'hui, suivez-moi bien, aujourd'hui, sur 100% de jeunes congolais âgés de moins de 20 ans, 3%, les enquêtes montrent que c'est seulement 3% qui connaissent, 3% connaissent ses droits, avec pour conséquence d'accepter certaines situations en violation de ses droits. L'exemple le plus flagrant, c'est l'abus du pouvoir. On voit constamment que les gouvernants violent la Constitution et sans réelle réaction ou désapprobation d'une frange importante de la jeunesse. Et pourtant, c'est cette jeunesse qui est la première victime de ces violations. La deuxième cause de notre souffrance qui amène la jeunesse à ne pas servir la nation et ne pas participer à la construction, c'est l'égarement dans le mal, dans les antivaleurs, ce que vous appelez cope, alcool, les drogues, la fornication, la débauche, la corruption, et j'en passe. Tout ça qui sont des antivaleurs, aujourd'hui nous les acclamons. Ton voisin, Mouniana Lalaka, Busiku yotana, mchana yotana shindaka na lala, busiku wa ujue kama natokaka wa otokake, kesho anauza Mercedes, nivote munasema vrai cop. Les antivaleurs. Et malheureusement, le jeune chrétien, au lieu de garder sa pureté, il s'adonne au monde, s'est perverti et ne joue pas son rôle dans la société. Et pourtant, nous avons des exemples de Daniel et ses compagnons. Grâce à leur conduite, ils sont devenus commandants, gouverneurs de Babylone, intendants. Joseph était devenu premier ministre. Timothée, par sa fidélité, il est devenu dispensateur de la loi, de l'évangile. Et la troisième raison, c'est la cupidité. N'a pas le vraiment Mounisky Mouzoul. La cupidité, où nous avons la primauté de l'avoir sur l'être, fait qu'aujourd'hui, dans notre communauté, c'est l'avoir qui détermine les rôles dans la société et pas la sagesse, la connaissance et la piété. Ntayelez Amzour. Léo Touko, Kounafas, Yenye Unweza Kuta, Moutou Mwenyana Lalaka Moubar. Manaake, il vit dans la fornication. Il vit dans la débauche. Il fait tout ce qu'on peut considérer comme le mal et tout le monde le sait. Mais parfois, ces gens, ils entrent ici à l'église, on peut l'approcher, on a balanqué à Manamouleta, Manamoukal Japal, Dieu qu'on a franc. Mais ça, c'est très grave. La place dans la société ne doit pas être déterminée en fonction de l'argent. Ça, c'est la cupidité. Moutou bal pocha koumoué chimou mou société, djou ikona ekima, ikona oufahamu, na iko mou, iko pur. Si djou katoune lewan, léo ni contraire. Kamo kona franca, biote bienyon les afanya, batou bana funga machu. Ça, c'est la primauté de l'avoir sur l'être. Ukiwa mtu mwombaji, unajazwa na Roho Mtakatifu, unasema na hekima, unafundisha na hekima. So nakuya banasema tena nakui. Faisons attention lorsque nous mettons la cupidité, nous laissons l'argent prendre la place, la première place dans notre société et dans nos vies, nous sommes tout à fait le contraire de ce que nous vivons. Et notre jeunesse confond, inverse les rôles de l'être et celui de l'avoir. Dans nos jours, on ne peut même pas discuter. Quand tu parles avec les gens, ou qui pita mbarabaro, qui s'y a tu anakwambia, baba, baba, njok sema oulette. Son amouliza yambo anasema, donne-moi. Ata bulaya banalombaka lakini banajifutika kasura. Juu kuomba ni haya. Mais donne-moi
Et c'est toujours du matériel. On ne se pose même pas la question sur l'origine de ces matériels. L'exemple des élections et l'argent distribué à la jeunesse illustre cet exemple. Et c'est un exemple d'Ésaü et Jacob. Lorsque vous acceptez l'argent pour voter quelqu'un qui n'a aucune ambition par rapport à vous, cela correspond à vendre votre avenir à quelqu'un de corrompu et qui ne tiendra pas compte de vous et qui reviendra seulement après 5 ans pour encore vous donner 2000 francs. Alors, si vous acceptez 2000 francs pour hypothéquer votre avenir, ne vous plaignez pas. Ko Esau, ulikunywa supu, unapana, bukubwa yako, utaishi vile ulipenda. Hatuna muda, lakini yenye tuko tunaishi leo ni ile ya Esau na Yakobo. Jule mwenye unapatia, anakupa 2000 francs, ye kwenye anaenda, anaiba, anawina, anafanya vyote contre maintere yako. Lakini sauti yako itatoka wapi? We njo litiaka kusema huu njo minapenda. Bijana tutoke kuwa ba Esau, kuuzisha urizi yetu juu ya 2000 francs. Ya mwisho nasema article ya 58 dit tous les Congolais ont le droit de jouir des richesses nationales. L'État a le devoir de les redistribuer équitablement et garantir les droits au développement. Et je pense qu'aujourd'hui, l'État ne suit pas l'article 58 puisque tout simplement, nous sommes dans cet état de cupidité qui fait qu'on nous trompe avec presque rien et les richesses après sont réparties de façon inéquitable. Nous devenons des Ésaü et Jacob, lui, il jouit de tout. Il devient le père d'Israël et nous, nous vivons dans la misère totale. En conclusion, un jeune chrétien devant sa nation en péril ne peut absolument rester indifférent. Ou qu'il n'y a pas de taïf à l'école, ou qu'on a responsabilité sur mon Christ. Un, spirituellement, il doit s'engager, éviter les périls de sa nation en s'armant comme le conseille Paul et ne permettre que quelqu'un méprise sa jeunesse en étant un modèle pour la société en parole, en conduite, en foi, en charité, en pureté. Être également aussi instruit, pratiquer la justice et être artisan de la paix. La parole de Dieu nous dit aussi que la jeunesse doit fuir les passions négatives, cupidité, corruption, et plutôt faire l'alliance avec Dieu pour pouvoir servir la nation, être toujours auprès de ceux qui souffrent et soutenir ceux qui souffrent. Et charnellement, les jeunes doivent connaître les lois du pays, connaître la constitution du pays et connaître ses droits et ses devoirs, défendre ses droits et ceux des autres. Et je vous recommande tous cet après-midi de devenir des Daniel et des Joseph du Congo. Mesdames et messieurs et chers jeunes, par ces références au passage biblique et par cette lecture de certains articles de la Constitution de notre pays, j'ai tenu à vous rappeler les responsabilités qui incombent à tout chrétien, y compris la jeunesse chrétienne, face au terrible fléau d'antivalère qui avilisse notre pays et rabaisse notre population dans la misère et une vie indécente. Je forme le vœu le plus ardent que vous avez saisi la quintessence de mon message. Un chrétien, un jeune chrétien, a les devoirs bibliques, évangéliques, prophétiques et patriotiques d'être solidaire de la souffrance de ses sœurs et de ses frères. Tu ne peux pas être indifférent à la souffrance des autres autour de toi et t'appeler chrétien. Ça serait un chrétien des noms.
Il doit être poussé par la charité, la responsabilité d'être le gardien de son frère. Ne faites pas le jeûne de Caïn en disant « Je ne suis pas responsable de mon frère ». Vous êtes responsable de vos frères, de ceux qui sont à côté de vous. Cette responsabilité chrétienne que nous confère notre foi et la constitution de notre pays nous donne le droit de prendre parole sur tout ce qui a trait à la société et à la nation. Il n'y a personne qui peut nous interdire de parler lorsque nous avons l'impression que ça ne marche pas. Que ce soit sur le plan biblique, que ce soit sur le plan de la loi de notre pays, nous avons l'obligation, lorsque sur le plan économique, politique, droit du travail ou tout simplement une vie décente pour tout le monde n'est pas respectée, nous avons le devoir de protéger et promouvoir notre environnement politique ou économique et social. Cette responsabilité nous sort de l'état de spectateur pour devenir des acteurs de notre destin dans le plan de Dieu pour notre monde meilleur. Dieu nous veut du bien, nous devons travailler pour ce bien et nous avons tout ce qu'il faut pour que nous puissions transformer notre société, que les gens arrêtent de voir les antivaleurs comme une solution. La seule solution juste existe dans la connaissance de la parole de Dieu. Et si vous prenez la parole de Dieu, vous serez des grands dans ce monde. C'est dans cela que je vous exhorte, car en tant que filles et fils de Dieu, vous êtes appelés à être des prophètes et des artisans de la paix, de la justice, du développement et de l'espérance pour notre nation congolaise. Merci beaucoup. Question-réponse. Kwa kweli haiko rahisi kuplace neno nyuma ya somo lile ambalo mwalimu mkuu mchungaji amemaliza kutoa hapa. Amesema mengi sana. Anaparkurir katiba ya nchi yote. Sijui nini mimi naweza kusema tena. Kwa sababu kwa conclusion yake anaonesha tu kama kijana mkristo sherti ashike neno, na wakati anakuwa katika neno la Mungu amepana mifano mingi, ameonesha Yusufu, ameonesha Danieli, gisi walikuwa hawana conduite mbaya mbele ya Mungu, alafu walifanya mambo, walifanya mambo wangepasha fanya kwa inchi yao. Anatuomba hivi kwa mwisho, kijana anapasha kusoma, kijana anapasha kuelimishwa. Kijana anapashwa, ukielimishwa, inakusaidia kujua kusaidia nchi yako. Tusiwe wale wa vijana ambao wanakuwa wanafurahia upato kuliko utu. L'avoir plus que l'être. Ile anatuonesha mambo mengi sana. Lakini kwa kuwa muda unasonga na sitaendelea zaidi kwa sababu sote tumefuata, tunataka kupita kukipindi ya maswali. Tutaprocede hivi. Tunakamata seria swali tano tano. Kadiri vile mwalimu atanabii na tulipo. Tunakamata swali tano tano. Tunaomba nini kwa yeyote atakuwa na swali. Ajitambulishe presentation na swali moja kwa mtu. Hakuna swali mbili. Ukwe précis. Ukwe concis, nukwe bref. Usizunguruke zunguruke, uliza tu swali directement. Mwalimu iko tayari kujibia kwa swali lolote vile. Uliza swali lako lote, me uhakikishe ni swali moja, uwe mfupi, uwe direct, na ile itatusaidia kuendelea mbele. Protocol, mungetusaidia kukua na mikrofoni mkutano, yote matauliza swali, anatia mkono juu, alafu tunakamata kwanza swali tano.
s'il vous plaît, quoi éviter embouteillage na waza baswali wa protocole. Wange kutanisha microphone kwa watu wako. Hatuwezi weza sote kusogea kumbele, itakuwa mpeka mwaka vuyo. Tukutaniwe na microphone kwenye tuko. Jumu hiko kule yula kuna kisaneza kusuka. Merci. Protocole, distribuer le micro. 5 premières questions. Au fait, moi c'est Prince Moubaké. Je suis le coordonnateur de l'association des enfants des militaires et des policiers au Sud Kivu. Bon, nous avons suivi avec beaucoup d'attention, et monsieur le professeur, le prix Nobel. Ma question serait juste de savoir, parce que vous avez soulevé beaucoup de questions, beaucoup de dispositions de la Constitution. Alors, nous entendons de loin et derrière des murs que vous serez à la présidence et ici 2023. On ne sait pas si vous allez nous affirmer et si c'est vrai ou pas. Et de cela, et je voulais poser ma question juste de savoir, une fois si c'est vrai, comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de ces différentes dispositions constitutionnelles que vous avez soulevées. Et aussi, ça serait une mise en œuvre de ces différentes dispositions ou bien l'abrogation de ces dispositions-là, et tout en sachant aussi comment est-ce que vous allez vous comporter vis-à-vis de l'association aux enfants des militaires, des policiers, comme vous le savez très bien, des conditions socio-économiques que nous traversons et d'une manière indigne. Voilà, merci. S'il vous plaît, on voulait porter à la connaissance de tous ces gens qui posent des questions. Évitons des questions longues pour permettre à notre orateur du jour. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de gens qui veulent poser des questions. Maintenant, tout qui posait ma question, mourez-vous, t'as quoi, tu n'as joué avec Guinéjou, ou à Katiko limité. N'a tu évité ma répétition? Quand ma bâche a posé question à Nyongé Oulisa, on a acha, on a acha comme ça, on a passé parole comme Guiné. Accent. Moi, ce Bacheli, encore élève à l'Institut Bouindi, je suis en sixième année. Le papa docteur a élevé beaucoup de points, mais je vais parler pour ce qui concerne une société ou une jeunesse qui connaît ses droits, mais a peur de s'exprimer devant les gens, de peur qu'ils ne soient châtiés ou de peur qu'ils ne soient amputés. Aussi, je vais parler de l'éducation. Nous, en tant que pédagogues, nous avons choisi la section pédagogue Alma Mater. Partons de la section pédagogique Alma Mater et dans notre système éducationnel, nous voyons que l'éducation est un peu rejetée, ou nous, pédagogues, nous sommes rejetés. Nous nous sentons un peu écartés des gens quand nous nous trouvons devant les gens qui ont étudié des différentes options. S'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois que la tolérance est une qualité. Je pense que nous tous, nous pouvons peut-être sauter un syllabe sans que ça soit un drame. Elle s'exprime très bien par rapport à plusieurs qui sont ici. Pour le produit alcoolique, je suis une représentante de la jeunesse qui a besoin d'une rééducation pour se mettre dans une situation ou dans une société ou planifier des plans favorables qui peuvent servir à toute une nation, à la société. Et en tant que Congolais, nous nous trouvons, nous sommes discriminés. Partant d'abord le sexe, nous, femmes,
nous nous trouvons incapables de s'exprimer devant les gens, de défendre ses convictions. En tant que moi, pédagogue, je suis là pour éduquer, mais dans quelle société? Allez, je vous remercie. S'il vous plaît, tout lycée m'a tout quoi bref, ma question c'est tout. S'il vous plaît. N'a tout quoi direct. Merci beaucoup. Je suis Maître Irenge Bissimo Gloire, avocat au barreau de Sud-Kivu et jeune qui prône également les changements. En fait, avant de poser ma question, j'aimerais réitérer au docteur que la tendance ne changera que lorsque nous aurons un chrétien au-dessus, au sommet de la nation, pour permettre réellement à la jeunesse chrétienne de jouer un rôle dans le cadre de la gestion. C'est pourquoi nous réitérons et nous rappelons notre appel de pouvoir porter votre candidature à la présidence de la République. Ma question est la suivante. Ma question est la suivante. Nous sommes jeunes chrétiens, mais nous avons un problème de développement, notamment dans la course pour le pouvoir ou pour la gestion de l'État. Et les grands problèmes, les grands défis que nous avons, c'est notre Église. Des fois, on nous dit l'Église est apolitique. Les jeunes qui veulent se lancer dans la politique pour concourir au poste, en fait, d'apporter un changement en tant que jeunes chrétiens, se heurtent à l'espace où ils doivent exprimer leur ambition. Où est-ce que la jeunesse chrétienne va battre campagne? Par exemple, est-ce que c'est dans la rue où il y a les loups, où il y a toute forme de désordre et d'antivaleur, ou bien c'est à l'église? Nos pasteurs ne nous permettent pas de pouvoir exprimer des ambitions politiques ou de battre campagne dans l'église, alors que le milieu naturel pour un jeune chrétien de battre campagne, c'est à l'église. Que doit faire la jeunesse chrétienne par rapport à cet obstacle? Est-ce que nous n'allons pas nous retrouvons en train de dire une chose et son contraire à la fois? Merci. Merci. Merci beaucoup. Tu dis à quoi la question, Tano? Le nom c'est Alain Bissima Karongerongi. Ma simple question est de savoir, c'est la question adressée au professeur Dr Denis Mukwege, comment se comportait la jeunesse face à, comment se comportait la jeunesse dans un système où les vieux ne veulent pas céder le pouvoir. Mais aussi, j'aimerais ajouter en disant, vous êtes prix Nobel de la paix, je souhaiterais entendre qu'est-ce que signifie prix Nobel de la paix en Kiswahili, ma langue. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Mapatano Jacqueline Nganga. Je voulais féliciter le professeur pour son brillant exposé. Mais je suis restée à ma soif. Quant à savoir quel est le partenariat que peut nouer l'Église avec l'État pour booster hors d'état de nuire toutes ces antivaleurs. Vous avez beaucoup parlé des antivaleurs, la drogue qui gangrène notre société, notamment la drogue, le vol, le détournement des deniers publics et tout. Il y a des maisons de tolérance ici à côté, à l'essence, si vous y allez. C'est beaucoup de nos filles qui sont là. Et l'Église et le gouvernement sont comme des observateurs. Il y a beaucoup de jeunes qui vendent ces boissons alcoolisées. Des fois, on ferme ces maisons qui vendent ces boissons. Et ce sont les jeunes qui les vendent pour la plupart. Je voulais savoir le rôle de l'Église. Posez la question. Oui, je vais tout droit au but. Le rôle de l'Église dans tout ça, devons-nous rester observateurs face à toutes ces antivaleurs, ou bien l'Église a un rôle à jouer de façon pratique? Merci. Ou bien ce partenariat peut être noué avec l'État congolais. Moi, je suis agent de l'État. Pour que nous puissions voir comment notre société peut se développer. Merci. Merci, madame. Merci. Touri Chapokia, cinq questions. On arrête d'abord. Bon, Chapokia, Tano. C'est dans quoi Tano déjà?
Dazani Kouine. Tano? Déjà. Maïki Kouine, c'est Koukamat. Bon, mine Anzana, il est à mouche. Mapatano Léo Ukikua, gouverneur de Sud Kivu. Kisha banakamata banakupatia mama sione mama toto yenjo mere wa ville na mnajua kama ile unasema iko kweli tuko panzi na batoto ya miaka 12 benye biko manyumba hapa kwa essence mtoto sana kuelezea mateso yenye kwa napitia ndani inakuuma swa mzazi inakuumiza na bale watoto mara nyingi utakuta ni mayatima wameachiwa na bale wenyewe wanabakamata kuba exploiter vile banampatia tu ni wali na maharage labda na kumuzia limoya kumwezi kumuzia slipe na robe est-ce que kwa gouverneur weye mwenye unaogopa Mungu na huko na mere wa vile mwenye anaogopa Mungu mama toto na mnajua kama constitution inakataa la vile mnaweza biacha biendelee shida kubwa yenye tuko nayo ni sababu tunaitika tuongozwe na watu wenye habajue Mungu habaogope Mungu na wakati haogope Mungu unakuta naye anaendaka ku essence. Sasa, kama na anendaka kule kwa essence, saa nye muna lalamika wanafanya semblant na binaishia pale. Mina zani kuko vyenye, ekipe yetu tuko tunaona Kinshasa, unajuliza ata Sodoma na Gomora habikuwaka hivi. Na njoo maana mina zani kujibu, inanileta kujibia au kijana hapa mwenye alisema kanisa iko a politike maana yake itakuwa inaangalia na inanyamaza. Hapana. Mu Biblia tuko na mifano mingi yenye natuonyesha kama kanisa inapashwa kuwa na role prophetique. Na nabii ni mwenye anasemaka kweli atailume. Nabii ni mwenye anasemaka kweli hata kama mfalme atakasirika. Wakati Nathan anaenda kuona Daudi anishaua na nazini. Nathan angilipata shida ya kufa. Lakini alisimama sawa nabii, akaona Daudi na kumwambia bienyo lifanya ni vibaya. Yohana alipoteza kichwa, jua aliambia Herodi na Herodias, bile vyenye mulifanya dhambi. Bakamukata kichwa. Ile njo kazi ya kanisa. Kanisa hatuwezi kuwa tunasema tuko pembeni ya dunia. Tuko mdunia, lakini hatuko badunia. Na tabia yetu ya Kikristo inapashwa ionekane mdunia. Tuko chumvi ya dunia. Na tuko nuru ya dunia. Lakini tukisema tutaingia mchumba ya maombi, tunajifungia mule. Njoo kwenye tutangoea Yesu arudie. Tunajitenga na dunia. Yesu wakati alipanda kumlima, balikuwa muhali ya uwepo wa ajabu. Petro anasema tubakie yetu hapa. Tujenge tante hizi tatu. Bale wabiko mule mdunia babakia na vyabu. Si hapa, njo kwenye tunabakia. Njo chumba maombili. Yesu alibakia kumulima. Alijua iko na kazi mdunia. Alishuka kwenda kuakomplir kazi yake mdunia. Na mimi nadhani kama kanisa wa vijana wa Kishimamu, tusiwazuie kuexprime fwa yabo, iwe mpolitike, iwe muekonomi, iwe msosiali, iwe mfasi yote. Juu biko chumvi ya dunia. Na biko nuru ya dunia. Kuna vitu vyenye hatutashinda
wakati tutaitika tuendelee kuongozwa na benye banaishi mwa ile hali haitawezekana. Minazani, nous devons jouer le rôle prophétique de l'Église pour changer la situation dans notre pays. Minazani, kuko mwenye alisema difficulté. Bon, kuko mwenye aliuliza juu ya ndio kuna wengi au maorganization mingi ambayo imetuomba kama tunaweza kuleta kandidature yetu. Lakini jibu langu liko wazi. Unajua tuko mwinchi yenye inaomba mabadiliko makubwa. Ndio mimi naita revolution démocratique. Tunapaswa kuwa na rupture. Ni kusema hali yenye tulikuwa nayo jana. Ukikamata uongozi na uendelee vile vile, hautabadilisha kitu. Na kama unapaswa kufanya ile revolution démocratique, inapaswa itokee ku base. Batu ndio wanapaswa sema tunachoka. Tunapenda mabadiliko. Na ile mabadiliko watu kama wanaiexprimer, mimi nadhani kama tuko na masikio na tuko pia na dhamiri na roho. Lakini hauwezi tumikia benye abatake. Jua tona batumikia haitabadilisha kitu sababu bo peke abapendi changement. Ni lazima tie kumusingi tukamate ile hatua ya kusema inatosha, mateso inatosha, tunapenda mabadiliko. Na siku yenye tutakamata ile hatua, hata si basepake tu, tunaweza kubadilisha mambo makuu. Lakini tunajikamata sawa vile tunaogopa wengine, tunajikamata sawa vile hatuwezi, hatutoshi, na kwa mwisho tunapondwa. Mimi nadhani huyu ndugu aliuliza eske wakati yenye mtu anakamata uongozi, je anaweza kumetre hii constitution en œuvre? Benye baliandika banajua kama inawezekana. Kuko benye baliingia kuongozi hayafanya miaka tatu, miaka ine kuongozi, iko na nyumba mudunia mzima, Brussels, New York, Dubai, nafasi ingine. Juu ya nini zile manyumba zenye biko banenda kuuza kule, hatuwezi kujenga amu manyumba hapa, babiana bapate kwenye banezekana. Hakuna kienye kiko mwa hii constitution yetu kienye akiwezekani. Shida kubwa yenye tuko nayo ni sababu tunaongozwa kwa hali yenye benye banaongoza hawapendi benye banaongozewa. Viongozi wetu hawatupendi. Na ikiwa hawatupendi, mimi nadhani benye baliandika hii katiba yetu, benye baliandika constitution, hawakuandika vitu vyenye viko impossible. Bienye binaandikiwa mu constitution binawezekana. Lakini wakati tunaishi mwa ile hali yenye mtu anaona haja zake lakini hawezi kuona haja za wengine, tunaishi hali yenye iko mbaya. Nikuseme inawezekana. Aliuliza juu ya watoto ya basoda. Pasteur Matayo Chuma njo omonie wa ANC wa kwanza hapa Bukavu. Na saa yenye alikuwa anaenda kukansa yo, nilikuwa namsindikiza. Batoto ya basoda kukansa yo, na wengine hapa bakubwa baliona. Mtoto wa soda alikuwa nakunywa chai na mkate ya bleban na confiture, sio kukadutu atungilipataka. Soda wa Kongo. Mtoto wa soda hata saba alikuwa hapa kwa essence, hapa kunani ku panzi. Balikuwa na mtu gari ya kubabeba kwa tene. Hamkuionaka. Leo soda nakuwa njo bure mu société. Lakini soda alikuwa nafasi yake na soda iko nafasi yake. Juu mtu mwenye kwa nalala nje, juu ya kukingia usalama, ni mtu wa muhimu sana. Wao nalala mu nyumba, yeye iko nje kwa na kukingia usalama.
Lakini batoto yake abaezi enda kumasomo, batoto yake abaezi kula. Ile nilisema juu ya nyumba. Ukienda kuona nyumba zenye basoda banalalaka mo pale panzi. Au hata ukansa yo. Unaweza kujiuliza huyu baba iko na bibi na batoto mwai tante ya 1 metre fois 2 anaishi amo namna gani? Mimi nadhani kama mateso yenye tuko nayo leo iko na masolution. Na solution tulizionaka mbele. Lakini wakati sisi wananchi tunaitika kama vitu bia hii modele biendeleye, malheureusement bitendeleye. Kuwa soda haiko bala, kuwa mtoto wa soda haiko bala. Lakini inchi njo yenye ikuwako bala. Huyu dada moja aliuliza juu ya magumu ya, ya kuedike au namuna yenye bobe yenye bana bapedagogi biko na shida juu ya kufundisha. Ni kweli wakati yenye tunaishi mwinchi yenye batu bana geuza ile ambayo ilipashwa kuwa ma valeur mu société na kuwa ma anti valeur. Wakati yenye uko nafundisha mtoto uheshimu baba na mama, ya naona byenye baba yake na mama yake banafanyaka, anajiuliza heshima gani mimi naweza kuwapatia. Kanisa iko na role mkubwa sana ya kuche, ya kufanya mwa inchi. Sababu vitu vimeharibika kunivo yenye unaweza kujiuliza tuko wapi. Na wakati yenye uko nafundisha mtu lakini byenye anaishi kila siku na byenye anaona kila siku ni tofauti ya vile byoko namwambia, atakusikia namna gani? Ni lazima kanisa ikamate nafasi yake. Ni lazima kanisa ikamate responsabilité ya kuwa nabii. Na nabii anasemaka kweli, ilume isilume, bamuue au basimuue, lakini anasema kweli sababu tuko na chapa ya Kristo. Na hii chapa ya Kristo tuibebe kila fasi. Asante. Mimi nadhani njo yote hiyo. Ndiyo, Prix Nobel mkiswahili ni tuzo ya amani. Na mimi nadhani kama labda hii precision inaweza kuifanya tuzo ya amani. Jana au juzi nadhani ba jeune mko wengi hapa. Mko mnaona ba mai mai banaitwa ba malaika. Vile biko banapiga ba binti huku salama bila. Nadhani mliona. Weye nini unaweza kusikia kuona banakamata mtoto mwanamke juu anavala robe yenye hapapendi au anavala pantalon, banampiga fimbo mpaka mwili yote na katika. Bale babinti wenye banapigwa vile, ba mingi batakufa. Sababu kama unapigwa ya nguvu sana, kuko fenomene yenye nakwenda jiproduire mumwili, inabloke mafiko nonakufa. Biko banaifanya mchana mbele ya batu. Mbele ya batu. Wapendwa, mimi nadhani tukiwa tunanyamazia vitu, ni kitu yenye mtu normali hawezi kuiangalia mara mbili. Kuzaliwa mwanamke ni bala. Kuzaliwa mwanamke hauko mtu. Na kupigwa ya namna ile ni mateso ya ajabu. Sisi wakati yenye tumepata ituzo ni sababu tunaamini kama Mungu aliumba mwanaume na mwanamke kwa mfano wake. Na kama alibaumba kwa mfano wake, ni lazima mume na mwanamke waheshimiwe. Na hii yenye tunafanya leo, tunaifanya si kwa Kongo tu, tunaifanya kwa nchi za Afrika, tunaifanya Ulaya, panzi tunakuwa Asia na hata Amerika. Tunajaribu kusukuma haki ya mwanamke iheshimike katika dunia yote. Na ni hii ilituma tunapewa hii tuzo ya amani, sababu mwanamke naye anahitaji kuishi kwa amani. Tunamaliza kipindi ya kwanza ya makestion, tunakamata deuxième série. 5 questions tena. Mais tunasema hivi, yawezekana uko mkutano na unaweza kuwa na swali mu lugha ya Kiswahili, sijue na lugha nyingine, uko mwepesi na uko huru ya kuuliza mu lugha yote. Mwalimu wetu
ni tulisema ni obukavu, donc Kiswahili na anajua. Nitasaidia walio wengi kujua kusikia. Tunaomba tena kwa wale watauliza ma question, s'il vous plaît. Tukue presi na tukue wafupi. Itaruhusu wengine wa mingi kupita. Kama tunakuwa warefu warefu, tunamaliza muda sana. Karibu asante. Kama question inaweza kamata 30 seconds, maximum 45, inaweza kuwa mzuri zaidi. Asante. Merci beaucoup. Lakini labda kuko mwenye aliuliza pale kama kanisa wanasema iko a politique. Lakini tunaona benye Mungu aliinua na kabatia mu politique, labda benye tuko tunasema bato abiko banabisikia. Hakukua politicien kushinda Daniel, na aliongoza sababu alikuwa na Mungu. Hakuna mwenye alikuwa politisien kushinda Yusufu kwa Misri, aliongoza sababu alikuwa na Mungu. Ni kusema kuwa na Mungu haikuzuie kutumikia watu. Asante. Merci beaucoup. Je suis ingénieur Ebamba. C'est avec beaucoup d'intérêt que j'ai suivi l'exposé du docteur qui a mis en évidence la jeunesse. La question va toutefois de savoir combien de fois avez-vous déjà lutté contre la destruction de cette jeunesse en péril sur tous les plans. Pourtant, le fléau destructif est un produit local. Si oui, de quelle manière concrète? Sinon, le pourquoi? S'il vous plaît, va la deuxième question. Tunaona watu wananza kutoka, haitakuwa vizuri. Wenye wako wanatoka hawafanya, haiko alama nzuri, sio alama ya utaratibu. Tuko kanisani. Na kama watu wanatoka, inamaanisha kama tutakata makesio na tunamaliza. Ikiwa watu wanaenda. Kwa sababu swali wanauliza kusudi sote tuelimishwe. Accent. Marita endangeka asubiri kidogo. Merci beaucoup pour la parole nous accordée. Je suis Bénédicte Cavour. Je suis chrétienne dans l'église 8e CEPAC, Saïun et la Beauté. On nous avait appris qu'une loi elle doit répondre à des critères d'efficacité pour répondre aux besoins de la société. Alors, à partir de la lecture que vous nous avez faite, en lisant les articles 42, à partir de 42 en décembre de la Constitution de la République démocratique du Congo, comprenons que, je vais conclure que la loi de la République démocratique du Congo, elle n'est pas efficace. Alors, ma question est celle-ci. Vous avez dit un jeune doit être un modèle dans la conduite, dans l'amour, etc. Question. Alors, face à tout cela, un jeune chrétien doit-il passer directement? On nous avait dit le moyen pour revendiquer ses droits, il faut faire, bon, entre autres, il faut une marche pacifique. Je dis bien pacifique. Alors, un jeune chrétien doit-il passer directement à une marche pacifique qui, tout au départ, on sait que ça ne va pas aboutir à des résultats? Soit doit-il entreprendre des projets qui, on sait qu'il n'y aura pas de partenariat, ou on sait qu'il n'y aura personne pour te soutenir, donc tu vas produire localement et tu vas rester là-bas. Soit. Merci. Merci. Oui, je finis. Merci. Merci beaucoup. Là-bas, c'est des personnes. Bon, merci. Je m'appelle au nom de Jacques Bissimwa Mirindi, né du territoire d'Idjoui, dans le groupement Péné. Ma question est celle-ci. Vous avez soulevé une question là où vous dites que vous avez soulevé une question en disant que chaque personne est née avec son don. Et là, j'ai une question. Si par exemple, nous trouvons que cette jeunesse a son don, mais que son don est banni par des gens, comment est-ce qu'on peut faire? C'est ça ma question. Merci. Je suis appelé Achinda Jean de Dieu. Je suis un jeune chrétien de l'église où tient ses pâques, Saïun y pense. J'ai une question
à travers toutes les lois qu'on a dit de notre constitution de la République démocratique du Congo, on nous dit que la vie que nous vivons ne nous appartient pas, mais c'est à travers notre République ou notre gouvernement qui ne marche pas bien, c'est pourquoi nous vivons comme ça. Maintenant, ma question, toutes ces lois qui nous appartiennent, qu'est-ce qui empêche donc l'obstacle d'accomplissement de nos lois? Parce que la vie que nous vivons vraiment ici en RDC, nous sommes parmi les cinq premiers de la richesse dans l'Afrique ou dans le monde. Mais ce que nous vivons, vraiment, oui, cette richesse ne nous mérite pas. Qu'est-ce qui peut causer que notre vie soit aussi changée et que nos lois soient applicables? Parce que merci, vraiment, le gouvernement merci, ne nous suffit pas. Merci, merci. S'il vous plaît, merci. S'il vous plaît. Uliza muluga yenyoko na uraisi ya kuuliza. Ujisikie huru. Uliza muluga yenyoko na uraisi. Asante. Merci. Au fait, je suis David Bashige, jeune chrétien de l'église 8e Sepak Sayuni Kadoto. Monsieur docteur, aujourd'hui en RDC, il est très difficile de savoir la place qu'occupe la jeunesse dans le développement du pays, tant cette jeunesse est confrontée au manque d'emploi, d'éducation, aux méfaits de la prostitution, de l'alcool, de la drogue, de malnutrition, et ainsi que l'abandon. Selon vous, quels sont les mécanismes que vous comptez mettre en marche pour lutter contre ces fléaux en tant qu'un homme que tout le monde souhaiterait voir briguer la magistrature suprême? Ça va. Bon, je pense que la première question et la dernière question, pour moi, reviennent sur ce qu'il faut faire pour lutter contre la situation en République démocratique du Congo. Moi, je veux vous dire une chose. J'ai l'impression que peut-être je n'ai pas été suffisamment suivi, puisque je vous ai dit que le grand problème que nous avons, c'est que la jeunesse, vous représentez 64-66% de la population. Donc si la jeunesse décide de quitter cette situation de misère et de pauvreté, la jeunesse peut faire un bon choix. Mais malheureusement, j'ai comparé notre jeunesse à Esaü, qui vend son droit d'aînesse juste pour la soupe. Et puis après, c'est Jacob qui jouit. Et moi, je pense que peut-être il nous faut beaucoup plus d'éducation politique, civique et politique dans des églises. Puisque lorsque vous faites votre vote, lorsque vous choisissez, qui est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous vous posez la question si cette personne que vous allez choisir n'est pas lui-même, elle n'est pas elle-même dans la prostitution? Est-ce que vous choisissez la personne, même si on vous dit que quelqu'un a détourné 10 millions, s'il est de votre village, vous allez le choisir. Mais les 10 millions qu'il prend, il ne va pas le partager avec vous. On n'est pas exigeant avec les gens qui nous dirigent. Et aujourd'hui, le vote est devenu beaucoup plus un vote tribal ou alors un vote acheté. Et les conséquences par rapport à ça sont très claires. C'est une souffrance extrême. Il n'y a pas d'accountability, il n'y a pas de redevabilité. Les gens qui sont au pouvoir, ils n'ont pas de compte à nous rendre, puisqu'ils considèrent qu'il a vendu sa maison pour être député. Et donc, quand il est là au pouvoir, c'est pour récupérer la maison et en avoir une deuxième qui va permettre à ce qu'il soit encore candidat la prochaine fois. Ça devient un business. Mais est-ce que vous n'êtes pas conscient de ça? Mais cela ne va malheureusement
Je crois que les règles aujourd'hui, pour moi, elles sont simples. Il faut que notre jeunesse prenne conscience qu'elle a un pouvoir à travers ces petits bulletins de vote que la jeunesse aura dans, dans sa main pour pouvoir décider comment elle veut que le pays soit dirigé. Mais si ces bulletins sont mal utilisés, tu l'utilises pour quelqu'un de ton village, tu l'utilises pour quelqu'un que tu connais déjà, que sur le plan éthique et moral, c'est un corrompu qui bat sa femme, qui a des femmes partout, etc. Il faut payer les conséquences. Moi, je pense que dans d'autres pays, si vous avez un problème, par exemple dans votre couple, les gens peuvent refuser même de vous voter, tout simplement puisque vous aviez été accusé d'adultère. Mais nous, on voit des gens commettre des actes inacceptables. Mais ça ne nous empêche pas de les donner à ceux qui nous dirigent. Vous allez attendre quoi de ces personnes-là? Moi, je trouve que quand même, il faut que la jeunesse chrétienne comprenne qu'elle a une responsabilité. Ça ne sert à rien de jeter tout simplement la responsabilité aux autres, considérant que c'est eux qui doivent changer la vie de la jeunesse. Si vous choisissez quelqu'un qui est drogué, qui est dans la prostitution ou qui est dans la débauche, ce n'est pas puisqu'il devient député ou ministre qu'il va changer ses habitudes. Est-ce que c'est puisque vous n'avez pas des personnes autour de vous qui ont cette capacité? Et je pense qu'aujourd'hui, les règles peuvent changer quand on voit le budget national avec toute la corruption que nous avons. Moi, je pense que la vie peut changer si notre jeunesse décide de donner la responsabilité aux hommes tels que les hommes que je viens de décrire, les hommes qui craignent Dieu, les hommes qui sont un modèle pour la société par leur foi, par la charité, par tout simplement des gens qui évitent de commettre des erreurs dans la société. Et ça, moi, je pense qu'il ne faut pas la magie pour changer la société. Il faut que la base comprenne. Et j'insiste sur le fait que s'il n'y a rien qui se passe au niveau de la base, ça sera très difficile de changer au niveau du sommet. Une personne a posé la question de l'inefficacité de la loi. Moi, je dirais beaucoup plus que la loi n'est pas tout simplement appliquée. Ce n'est pas une question d'inefficacité. Et là, ça vous fait tomber dans le fatalisme où vous dites, même si nous réclamons, même si nous faisons des marches pacifiques, ça ne va pas changer. Si on est dans la fatalité et qu'on accepte qu'il est bon, voilà, au Congo, nous allons continuer à vivre comme ça. Un Chinois, il vient, pauvre, mais quand il passe 2 ans ici, il retourne chez lui, il est riche, et toi, Congolais, tu es là, toujours dans ta pauvreté. Ça sera un choix. Et moi, je trouve que nous sommes en train de faire des mauvais choix. Pourquoi nous, les Congolais, nous fuyons notre pays quand les Chinois, ils viennent en masse? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher dans notre pays pauvre? Nous devons quand même nous questionner. Il y a plein d'entreprises ici qui ne sont même pas enregistrées dans la forêt ici. Et ils s'enrichissent, nous nous appauvrissons. Nous devons avoir des questions concrètes. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une question qui vous est posée. Quelle est votre responsabilité par rapport à ce qui vous arrive? Les dons non exploités, je pense que lorsque vous avez un don, vous pouvez toujours être contredit. On peut vous attaquer par rapport au don. Mais moi, je crois que lorsque vous marchez selon la volonté de Dieu, lorsque vous respectez ce que Dieu vous a promis, les gens peuvent vous combattre par rapport à ce que vous êtes, mais ils ne vous battront jamais, puisque vous êtes dans la vérité. Et la vérité, on ne peut pas la faire fléchir. Et moi, je pense que quelqu'un qui a un don et qui reste dans la volonté de Dieu, il exercera toujours ses dons, et ses dons pourraient être utiles pour l'ensemble, pour l'Église et pour aussi la société. Les obstacles pour l'accomplissement de... Oui, j'ai déjà répondu, je crois. Merci. C'est trop, hein?
On va continuer, il faut arrêter maintenant. Si, si, si. Je sens très bien que nous commençons à tourner à rond et j'ai l'impression que toutes les questions, ça deviendra les mêmes questions. Peut-être on peut donner à trois questions pour trois femmes pour qu'on équilibre un peu les choses. Notre constitution prévoit que dans toutes circonstances, même quand on donne des questions, on doit donner le même nombre de trois femmes. Merci beaucoup. Je m'appelle Atosha Esther. Je suis représentante du programme Young Women Leaders for Peace Builders ici au site Kivu. Monsieur, avec tout le respect qu'on vous doit, j'aimerais vous rassurer que la jeunesse est impliquée, mais nous sommes, la jeunesse congolaise est fatiguée parce que nous faisons face à un grand conflit des générations. Nous sommes habitués à avoir ces mêmes discours, à écouter ces mêmes discours qui nous encouragent de nous lever, de prendre notre sort à main, de nous lever. Et c'est les mêmes personnes qui nous encouragent à nous lever. Ce sont les mêmes personnes qui nous coincent en termes des opportunités. Vous allez voir en 2023, vous nous avez exhorté de faire un bon choix. Mais avoir les leaders prétendant aux élections, nous connaissons déjà les préalables. Il n'y a pas une loi qui encourage la jeunesse à participer. Et avoir les dirigeants, les candidats potentiels, je vais citer, les candidats potentiels pour les élections, ce sont les mêmes personnes qui sont dans le même système. Question, s'il vous plaît. Ils sont habitués dans la magouille. Alors, quand vous nous demandez de faire un choix, on ne sait pas à quel Dieu s'est voué. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse? On a tout essayé, on peut dire, comme merci, nos amis qui nous disent, nini tosalité. Merci et beaucoup. Avec les élections qui merci. Arrivent, on connaît déjà les résultats. Merci. 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 Encore une dame. Je suis là. Oui. Je réponds au nom de Delphine Amuto. Je suis coordonnatrice de l'appel patriotique, mais la communication que je veux faire, je voudrais vraiment la faire en swahili. Ce n'est pas une question, mais ni annonce ambayo nilitaka niweze kupatia vijana wote ambao wanakuwa humu kusema kama tunakuwa na piste yetu ambayo tumekamata juu ya candidature ya prix Nobel. Na tunaomba vijana hivi leo wanatuita tuweze kujiunga ndani ya changement, watu wote waweze kuangalia namna gani wanaweza kuadhere ndani ya appel zote ama initiative ambazo tuliweza kuanza, sawa vile appel patriotique, Nouveau Congo avec le prix Nobel, dynamique avec le prix Nobel de la paix, na barza intercommunauté na ziko za mingi sana. Tunaomba vijana wote, kama mnataka mabadiliko, tuangalie namna gani tunaweza kuingia ndani ya vikundi hivyo kwa kuweza kugombanisha mabaya ambayo inakuwa ndani ya nchi hii. Sisi tuko tayari kumusindikiza na hapo ndio tutaweza kumusukuma aweze kujiprononcer. Karibu sana kwa wote. Accent sana. Merci beaucoup. Je me nomme Dorcas Chabani, défenseur judiciaire près le tribunal de grande instance de Bukavu. Ma question est celle-ci. Vous nous avez parlé que nous devons être de modèles, des fidèles en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Mais est-ce que c'est suffisant pour relever cette nation qui est en péril? Et puis, la question, son plan B, c'est pour sur les jeunes femmes. Vous avez dit que c'est dans l'Église qu'on a tout. Mais d'autant plus que même à l'Église, il y a des fonctions que les femmes ne peuvent pas, dans des responsabilités qu'elles ne peuvent pas assumer, même à l'Église. Quid de l'extérieur? Merci. Merci. Peut-être. Bon, je crois que... Non, c'est...
Non, c'est fini. Je pense que c'est fini. Je vais répondre à ces deux questions. Je crois que madame a dit, est-ce que le modèle chrétien, ça suffit pour changer les choses? Moi, je pense que j'ai donné des exemples qui sont des exemples bibliques. Et je crois que si nous sommes dans une société où tous les jeunes pourront dire non à la corruption, dire non à la fraude, dire non à la débauche, on ne peut pas s'attendre à ce que cette jeunesse-là, qui sait s'exprimer, cette jeunesse qui lutte contre les antivaleurs, ne puisse pas amener les changements dans ces pays. Je crois que vous tombez dans le fatalisme, mais moi je n'ai pas l'impression que vous avez vraiment essayé, puisque mademoiselle a dit « ni ni nan otosalité ». Et moi je vous dirais « nan obosalé loko mon côté ». Puisque je crois que le jour où vous direz « il faut que ces pays nous les confions à Dieu pour que ces pays soient dirigés par des gens qui répondent comme Joseph en disant « je ne ferai pas du mal à mon Dieu », je crois que les choses à ce moment-là peuvent commencer à changer. Mais quand vous faites de mauvais choix évidents, comment voulez-vous que les choses puissent changer? Vous applaudissez vos bourreaux. Ça, on le voit tous les jours. Vous êtes en train d'applaudir vos bourreaux et vous voulez que les choses changent. Moi, je ne sais pas dans quelle langue je peux m'exprimer, mais je trouve que commencez d'abord à être rigoureux par rapport aux gens qui vont vous diriger. Et si vous êtes rigoureux par rapport aux gens qui vous dirigent, moi je trouve que le profil chrétien correspond très bien aux gens qui peuvent prendre une responsabilité et pouvoir la conduire. Moi je ne vois pas, je remercie vraiment notre doyen, le pasteur, qui a permis à ce que nous ayons cette séance. Est-ce qu'il pouvait permettre à ce que nous puissions parler du rôle de la jeunesse dans l'Église si lui-même ne croit pas que les jeunes de cette Église peuvent diriger ce pays? Nous voulons avoir des jeunes de ce pays qui vont dire « moi je vais être chef de quartier », un autre dit « moi je vais être bourgmestre », un autre dit « moi je vais être maire », un autre dit « je vais être gouverneur, je vais être député ». Et voyons comment ces chrétiens vont se comporter. Mais si on ne le fait pas et qu'on pense qu'on a déjà tout fait, je trouve que c'est extrêmement dangereux de tomber dans le fatalisme. Il y a des autres qui n'ont pas peut-être des chrétiens dans leur gouvernement, mais ils ont développé un système moral et éthique qui essaient de compenser un tout petit peu les critères que je viens de donner. Mais moi, je ne vois pas si vraiment on a des personnes qui ont le modèle dans la parole, qui ont le modèle dans la conduite, qui ont la foi en Jésus-Christ, des personnes qui ont la pureté. Moi, je ne vois pas comment des personnes qui pratiquent la justice, des personnes qui fuient tous les mal que nous avons dans la société, si on ne change rien avec ça, c'est que, bon, je ne vais même pas évoquer ça, puisque je suis sûr qu'avec ça, on peut changer ces pays et faire ces pays, donner à ces pays le destin qui est son destin, c'est-à-dire le bonheur pour nous tous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu transforme ces pays. Merci. Tafadhali tunaenda kumaliza. Tunaomba wale wa viongozi wa masantre fulani fulani, wa president wa comité des jeunes, wenye wako pa karibu wa karibia pa mbele, le temps que tunamwalika
ndugu yetu na kiongozi wa Asa Union Axe Bukavu Beni akaribia hapa kwa kusoma demand. Les journalistes accrédités sont demandés de voir M. Dan.